Avant de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de cliquer ensuite sur la petite cloche qui permet de ne rater aucune nouvelle vidéo. L'angine est une inflammation aiguë des amygdales et ces dernières sont parfois enflées. Mais l'inflammation peut également toucher la gorge et être plus diffuse. L'angine est généralement accompagnée de fièvre, d'une douleur de la gorge plus forte au moment de la déglutition. N'oubliez pas de consulter votre médecin habituel afin de soigner et diagnostiquer correctement cette maladie, c'est fondamental. Il existe deux formes principales d'angine. La première, c'est l'angine virale qui est présente dans 50 à 90% des cas. Et la deuxième, c'est l'angine bactérienne, ce qui est beaucoup plus rare. À noter que ce sont plus les enfants entre 5 et 15 ans qui sont le plus affectés en hiver et au début du printemps. Pour les adultes, c'est plus rare. Voyons plusieurs remèdes naturels qui vous soulageront. Alors la première chose à faire quand on a une angine, c'est de rester au chaud et de porter une écharpe de laine ou un foulard de soie autour du cou. Au passage, faites-vous dorloter, ça aide bien. Appliquez des cataplasmes d'argile sur la gorge, si possible deux fois par jour, c'est très simple. Dans un torchon ou un mouchoir fin, il suffit de mettre une couche épaisse d'argile en pâte froide et ensuite de garder 2 heures de temps. Attention à ne pas réutiliser cette argile pour un autre soin. Un massage du cou, c'est également parfait en friction et en pétrissage. Cela peut aider à dégonfler les amygdales. Attention à ne pas appuyer sur le larynx ou l'os au milieu du cou. Exercez une pression modérée. Au chapitre des remèdes naturels contre l'angine, on peut également citer les gargarismes. Alors ces gargarismes apaisent et désinfectent. Il ne faut pas hésiter à en faire plusieurs fois par jour en solution chaude ou tiède avec l'aigre-moine, la bardane, la guimauve, la mauve, le noyer, le mûrier, la ronce, la sauge, la menthe poivrée. Vous voyez que vous avez le choix. Il suffit de faire bouillir une ou plusieurs de ces plantes jusqu'à réduction de moitié, puis de filtrer avant de l'utiliser. Également excellent en gargarisme, on peut citer l'eau argileuse. Alors là, il faut une cuillère à café d'argile dans de l'eau tiède. Autre solution pour les gargarismes, le chlorure de magnésium ou l'eau salée. Alors voici les proportions à respecter. Il faut une cuillère à café de sel de mer dans un verre d'eau chaude. À boire également le chlorure de magnésium, 20 g par litre d'eau à raison de 3 verres dans la journée. Le jus de citron à boire avec de l'eau tiède et du miel apaisera également la douleur et constitue un bon remède naturel anti-angine. Pour apaiser la gorge douloureuse, le jus de navet ou de radis noir fait maison est fantastique. Laver, éplucher, trancher, saupoudrer de sucre mis dans une assiette creuse, le sirop est prêt à boire en quelques heures pour un immense soulagement. Si après l'angine, il y a une toux, prendre du sirop de bourgeon de sapin ou de plantain. Voilà, il existe bien d'autres remèdes contre l'angine, mais vous avez déjà ici un arsenal bien fourni afin de vous soulager. J'espère que ces conseils vous seront utiles, qu'ils vous apaiseront. N'oubliez pas de mettre un j'aime juste en dessous, de vous abonner et surtout de prendre soin de vous. Encore une fois, il est important de consulter un médecin qui, lui, vous donnera un traitement adapté. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager et à très bientôt sur cette chaîne pour d'autres conseils santé. Pensez à mettre un j'aime juste en dessous et à vous abonner.